Mayday, 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 je crois que je m'écrase. Il se délire. On est en train de se noyer, mon vieux. Oh putain, mon avion, il est en train de couler. Eh ben, mon vieux. Hein? Eh ben, va falloir ramer maintenant. Salut tout le monde, c'est Jolatte, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Stranded Deep. J'avais déjà fait pas mal d'épisodes sur ce jeu, fut un temps. Vous pouvez retrouver la playlist ici. Et franchement, le jeu, il a super bien changé, mais un truc de malade. Regardez ça. Alors là, on va pas se prendre la tête, on est cool, on est tranquille, pépère. Regardez ça. On se croirait pas en vacances un petit peu? C'est pas les vacances avant l'heure? Hein? Franchement, c'est excellent. C'est un truc de malade. Regardez ça, la petite plage et tout. Attendez, on va se mettre bien. On va plagier bien tranquillement, là. On va faire les plagieurs. On va sortir le parasol. Parce qu'un vrai plagieur, c'est ça. Je vois tout le temps, des fois, dans des commentaires, plagiat, plagiat. Et bah là, au moins, tu pourrais le dire pour quelque chose. Plagiat, là. Voilà. Un vrai plagieur, c'est ça, mon vieux. Voilà. Ça, c'est un plagieur. Tu vois ce que je veux dire? C'est celui qui va à la plage. Les gens, ils connaissent pas la définition du mot plagieur. Plagiat, plagiat, plagiat. Et bah là, on y est à la plage, mon vieux. Alors, tiens. On va faire un petit peu le tour tranquillement, on va ramasser 2-3 bouts de bois. Et franchement, ça me fait super plaisir de retourner sur ce jeu, c'est un truc de malade. Ça faisait longtemps, longtemps que je l'avais pas redémarré. J'avais fait pas mal d'épisodes déjà sur le jeu. J'en avais fait, je sais plus combien que j'en avais fait, ça se trouve j'en avais fait une petite vingtaine. Je sais plus, peut-être 15, 20. Alors du coup, on va pas être tout seul pour faire les survivants. On a un deuxième survivant avec nous. Salut Ezor. Salut à toi. On va peut-être se faire des petits barbecues et tout ensemble, des petits feux de camp. Ça risque d'être tranquille, petite guitare autour du feu de camp et tout. Bon, Ezor. Ouais. Tu t'es craché où toi? C'est quoi? Tu t'es craché où? Bah sur l'île. Il est quelle heure chez toi là? 3h28. Oh, il fait nuit chez toi? Ouais. Ouais, ah ouais putain, et moi il fait jour moi. Non, chez moi il fait nuit. Et là je suis en train de transférer tous mes items. Enfin, toutes mes ressources sur l'autre île pour pouvoir construire là-bas en fait. En fait, on n'a pas dû prendre le même vol tous les deux, je pense. Ah, il y a des chances, ouais. On n'a pas pris le même vol. Ça va, heureusement mon île elle est pas très loin. Et vu que notre inventaire tu vois il est gros de base, je suis pas obligé de mettre tout dans le bateau. Il y a certains trucs, oui, les barils de pétrole que ben là je devrais mettre dans mon, tu vois, ouais, dans mon bateau. Mais là je peux tout mettre dans mon inventaire, donc ça va. J'ai pas besoin de faire beaucoup d'aller-retour quoi, donc c'est cool. Ah yes. Bon bah écoute, moi en t'attendant, des fois que un jour on se croise, ouais, on sait jamais. Va savoir. Inch'Allah. Si Dieu voilà. Si Dieu le veut. En attendant, je vais ramasser des petits bouts de bois. Ouais. Et je vais faire un petit feu de camp. Vas-y. Je vais faire une petite table bien romantique en t'attendant, tu vois. Ouais. Voilà. Si un jour tu devais croiser ma route. Vas-y doucement sur le romantisme quand même. Je veux que mon île soit très chaleureuse et très accueillante pour toi. Surtout chaleureuse. Surtout chaleureuse. Imagine que t'as préparé t'inquiète les saucisses pas. Avec les grillades. Ouais, t'inquiète. Ah bah je vais les préparer les grillades parce que là je vois il y a des petits cochons qui courent un peu de partout. Ouais. T'inquiète même pas. Bon, je vais les préparer les petites grillades. T'as préparé quoi comme grillade? Un peu comme viande, t'as trouvé un peu? Bah écoute, là j'ai vu du sanglier là, un petit peu là. Écoute, je sais pas si c'est bien. Bah les sangliers, j'ai pas l'impression qu'on peut les tuer, je sais pas, c'est bizarre, j'arrive jamais à les tuer moi. Je sais pas s'il faut une arme spéciale pour les tuer ou si c'est T'inquiète. Regarde, j'en ai un qui court, moi il court partout mon vieux, c'est délire. Ouais, en plus c'est galère, il court de partout, donc mon gars pour les attraper, laisse tomber quoi. Je vais ramasser quelques trucs, j'ai quoi dans mon inventaire? Ouh, j'ai une bâche, une petite poire, tiens. Alors, c'en est où ma faim? Nous sommes le 14 août, nous avons survécu 0 jours. Il fait 29 degrés et il est 15h33. Et au niveau de la faim c'est bon, la vie c'est bon, l'eau c'est bon, la fatigue c'est bon, tranquille. Par contre, je sais pas à quoi ça sert les gros rondins de bois que je ramasse, tu vois. C'est pour faire du bois. Ça. Non, mais les gros, c'est pour faire du bois? Bah oui. D'accord. Chez moi, le soleil il va pas tarder à se coucher. Chez toi, ça va pas tarder à se lever, je pense. Ouais, ton décalage total à chaque fois. Décalage total. Tu dois être à des milliers de kilomètres, ça se trouve. Ah bah là, oui, là, ça va être un peu... Merde. Putain, je me suis fait attaquer par une vipère. Saloperie, va. Ah, il y en a plein, faut faire gaffe, hein. Ouais. Elle attaque, hein. Ah oui, elle là, attaque, ouais. Mon vieux, hein. Ouais. Bon, je vais faire 2-3 petits crafts et puis... et puis je vais faire un petit feu de camp et tout, tranquille. Alors, pour le craft, comment ça se passe? Eh bah, c'est là-dedans. On a pas mal de craft, franchement.
c'est bien cool. On va se faire un petit campfire, ouais. Ça c'est good. Vas-y, fais péter le campfire. Les vagues, j'ai l'impression qu'elles sont pas toutes... Ah oui, c'est ça, c'est... tu m'avais dit dans les options, on peut voir pour les mouvements de vagues. Ouais. Océan, rotation, intensity, c'est ça? Ouais, moi je l'ai mis à fond. Et alors, c'est les vagues, elles sont vachement plus... Bah écoute, j'ai l'impression que tu le mets à fond ou tout en bas. Pareil. Bah écoute, moi franchement, j'ai pas spécialement vu la différence. Ok, bon, ouais, je change pas. Oh là là, comment qu'ils sont magnifiques les couchers de soleil. Ouais, c'est les levées de soleil aussi qui sont beaux. C'est un truc de malade. Comment qu'elle est bonne l'eau. Ah ouais. Oh là là, ouais. Elle a combien là? Là? Bah écoute, 23, tranquillement. 23 degrés. On va carrément pouvoir aller à la chasse sous-marine un peu plus tard. Ça va être un truc de ouais, malade. T'as vu, tu peux pêcher aussi là, j'ai hâte de pouvoir tout transférer et de commencer à construire ma base là. Ouais, tranquille. Ouais, ouais, si, ouais. Ouais, c'est clair que ça a l'air bon quand même. Par contre, c'est magnifique le coucher de soleil. Hein. Ouais. Oh là là. C'est trop fort. Donc, qu'est-ce qu'on va se crafter là? De la lashing. Ah, il faut des fibres. Ça, il va falloir qu'on se crafte de la lashing. Quand est-ce qu'ils vont sortir une nouvelle mise à jour? Non, mais bientôt, je pense qu'ils vont le sortir le multijoueur. Bientôt, bientôt. C'est pas la prochaine mise à jour qu'ils ont dit, non? Peut-être. Je suis pas sûr, mais ouais, il y a des chances, ouais. Ouais, ouais, il y a des chances que ce soit la prochaine mise à jour. Putain, moi, ça commence à bien faire nuit chez moi. Moi, ouais, il commence à faire un jour. Ah ouais? Tu dois être de l'autre côté du globe. Toi, tu dois être en Chine, moi, je dois être. C'est ça. L'océan Atlantique. Grave. C'est trop ça quoi. Oh là là, vas-y, je vais faire péter le feu de camp là parce que moi ça fait bien nuit. Oh, comment que ça se fait que... Vas-y, je vais allumer ça. Oh, excellent quoi. Excellent, excellent. Un petit campfire à améliorer, je te fais déjà une petite cuisine américaine là d'entrée là. Ça, je vais faire péter ça. On va se crafter un petit machin comme ça. Ça, ça va être bon pour couper les arbres au début et pour couper un petit peu tout ce qui est les fibres et tout. Je vais en crafter deux, je pense. Vas-y, fais péter. Voilà, impeccable. Et là on va pouvoir aller chercher la fibre un petit peu. Voilà, avec ça on va ramasser la fibre. Et avec la fibre on va se faire de la lashing. Ah putain, mais les chauves-souris font chier là, merde. Ouais, je vais peut-être m'en faire une tout à l'heure, histoire de la mettre à la brochette. Ouais. Oh là là, regarde comment que je me suis mis bien là, putain. J'ai déjà la cuisine américaine et tout. Déjà? Bah déjà mon vieux, j'ai déjà fini le jeu, ça y est. Tu sais que moi je suis en galère, mon bateau, j'ai l'impression qu'il va chavirer à chaque fois là. Avec mes deux bouts, mes deux pneus sur le... Mon gars, mais des fois chaud, il tourne et j'ai l'impression qu'il va chavirer. Je vais faire péter 2-3 plans de fiber et je vais me faire un arc. Tranquille. Par contre, je sais plus comment que tu purifies l'eau. Je crois que déjà, faut aller la remplir. Et après, peut-être, on peut l'accrocher sur le feu. Non, mais non, putain. Oh, j'ai bu l'eau salée comme ça, moi. Je me suis empoisonné. Non. Ah, fais ton lit, mec, tu vas encore crever, tu vas encore perdre ta partie. Ah ouais, 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 je vais faire mon lit. Mon lit. Putain, j'ai bu de l'eau salée comme ça. Oh, par contre, comment que c'est long, mon vieux, à couper les arbres. Bah, surtout avec un silex. C'était lire. Ah, ça y est. Oh, putain, mon vieux, bah, c'était pas trop tôt, hein. Je viens de me faire une petite hache et tout, là. Ouais. Trop fort. Je prends une petite coconut pour la soif. Vas-y. Histoire de... Là, impeccable, bon. Alors. Toi, ta base, tu vas la faire au bord de l'eau, tout au bord de l'eau, sur la plage, quand, où c'est plat, ou tu vas la faire dans l'île, au centre de l'île? Ah bah moi, c'est sur la plage et tout, tranquille. Ah, toi aussi. Eh ouais. Ouais, ouais, au bord de l'eau et tout. Ouais, 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 je vais me faire, je vais nous faire une belle petite paillotte. Paillotte. Ouais, t'inquiète pas. Regarde, moi, j'ai déjà tous les plans, là. Tous les plans, ils sont tracés dans ma tête. C'est vrai, là, c'est la forme que tu vas lui donner et tout. Direct. Dans une semaine, moi je te le dis, ici, il y a ma villa, ici, il y aura mon snack frites, et ici, il y aura peut-être une petite machine à barbe à papa ou une chambre d'amis. Carrément. Je vais voir, une semaine, pas plus. Je me rappelle qu'un jour, j'avais dit un truc comme ça. C'est des grands projets, alors moi je vous dis, d'ici une semaine maximum, ici, il y a ma villa, ici, il y a mon snack, et là, il y aura ma friterie. Va falloir que je purifie de l'eau. Et je ne sais plus comment qu'on fait. Faut que tu prennes un seau d'eau, tu le remplisses. Ouais. Et tu le mets dans ton truc à cuisson là. Ah si, yes, faut le mettre comme ça. Les tutos des ors, merci. Non, c'est moi, vrai ça, ça. Vu, c'est bien vu. Attends, là normalement là il est rempli là. Ouais, là il est rempli d'eau. Ouais, je suis en train de purifier l'eau là. Il y a une chauve-souris, elle a bugué les ors. Ah ouais. Ouais, elle est comme si elle était accrochée dans un arbre. Sauf qu'il n'y a pas d'arbre. Je me suis fait masse de cordes là. Oh là là, lever de soleil magnifique. Toi, ça va commencer à faire nuit chez toi. Il fait déjà nuit là. Regarde.
Saloperie. Les jours se lèvent dans la tendresse. Ah, comment ça va déjà plus vite avec l'âge? Parce que là j'étais au silex. Laisse tomber. Ouais. Ah mais il faut crafter une hache. Ah oui, ça c'est hyper important. Là, impeccable. Un petit lit, craft. Oh yes. Oh, tu verrais comment que je me suis mis bien. Oh yes. Non. Ah non, elle était pas purifiée. Mais non, faut attendre le petit bip. Je suis en train de dégueuler. Comment qu'il avance mon vieux, on dirait il a la gigite mon bonhomme. Ouais, ouais je te jure, je sais pas, on dirait il danse le tango des fois quand j'avance comme ça là. C'est un truc de malade, regarde dans l'ombre. On dirait qu'il fait des claquettes et tout. Attends, comment qu'il se tient? Il est trop chelou. Oh, moi je me suis carrément fait l'arc et tout. Là, je suis trop bien. Je me fais des flèches, là, je suis parti à la Robin des Bois, mon vieux. Direct. Je suis parti pour faire la guerre. T'inquiète. J'ai carrément une épave de bateau là-bas. Merde, j'ai pas regardé ma faim et tout. J'ai soif. Putain, comment qu'on sait que c'est purifié ou pas là? T'entends un bim. Ah ouais? Ouais, comme un bruit de micro-ondes. Attends, je vais sauvegarder parce que je vais essayer d'aller chercher des noix de coco. Il y en a là-haut. Vas-y, vas-y, fais péter. Oh, yes. Là, je vais faire deux petits cocktails au calme là. Deux bonnes petites coconuts. Ah, ça m'a bien remonté la soif hein, quand même. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Il y a des mouettes. Tu crois que on peut chasser des mouettes? Aucune idée, ouais, ça c'est faut essayer. Vas-y, je vais m'en faire une directe. Ah non, non, je vais bouffer mes flèches dans le vent, je sens. Bah, ils sont en train de migrer. Ouais, ok. Oh, quoi qu'il y en a une qui est posée là-bas sur le rocher. Elle est juste là. Oh, je me la ferai bien celle-là. Je l'ai eu. Sérieux? Oh, je te jure. Elle est morte. Bah, tiens, mon vieux. Bah, elle est raide comme une pie. Je l'ai eu. Je l'ai eu, mon vieux. Bien joué. Je vais la faire cuire. J'ai eu ma mouette. Trop fort. Je te dis, mon vieux, tu peux m'appeler Jolotte des Bois, moi. T'inquiète. Bois. Excellent, attends, mon vieux, putain, tu verrais ça, tire une gueule, mon vieux. Putain, mais je pensais pas qu'on pouvait tuer les mouettes. Et t'en fais quoi après, quand tu découpes, y'a de la viande qui apparaît? Bah, je sais pas, mon vieux, là, elle me regarde, mais elle me regarde d'un air, elle est déprimée, quoi. Je vais la mettre là. Ah, mais tu peux la soulever et tout, quoi? Ouais, ouais, bah, je l'ai dans la main, mon vieux, je peux jouer avec et tout. Je peux faire la mouette comme ça. Oui, 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 oui. À fond là, c'est. Si, ça marche bien, je suis sûr. Attends, t'inquiète. Je vais prendre. Vas-y, déjà, je vais ranger ma mouette. Je vais prendre mon eau. Je vais la mettre là. Ce délire, je fais cuire ma mouette. Ouais, je vais ranger ma mouette. Je vais laisser l'eau mijoter. Je vais mettre ma mouette ici. Je vais la ranger. Voilà. Putain, excellent. Je suis trop fier de moi, quoi. J'ai eu une mouette. Ah, ça aussi, ça se mange. Des fruits comme ça. Oh, ça va. Bah, la fin, je suis à fond. C'est surtout la soif. On peut faire une lance. De lashing et un stall tool. Le reste, je l'ai. Comment qu'on s'est mis bien? Regardez ça. Hein? C'est pas les. Eh! On y est ou on y est pas là? C'est pas les vacances, ça? C'est pas les vraies vacances, ça? Hein? En vrai? Non, en vrai, franchement, je suis dans une. Dégage-toi là! Alors! Il fait quoi lui? En vrai, je suis dans une situation comme ça. Je crois, je me chie dessus là. Vous avez déjà vu le film Seul au monde avec Tom Hanks? Bah c'est pareil. C'est pareil, c'est la même chose. D'ailleurs, il y a des easter eggs à trouver dans le jeu. Des easter eggs qui font un petit clin d'œil au film. Comme le ballon. Le ballon, je sais plus comment il s'appelle. Merde, j'ai perdu son nom. Oh, j'ai perdu le nom du ballon dans Seul au monde. Il a un nom spécial. Vous savez, il est tout le temps en train de parler à son ballon là, il lui a donné un nom. Je sais plus, mais il est excellent ce film. Il est terrible. Et il y a aussi les boîtes, une boîte FedEx à trouver, je crois. Ah, il y a du yucca. Yes. Ça, c'est bon. Parce que je crois que ça repousse à chaque fois, hein, les fibres et tout. Enfin, ça repousse, mais faut un certain temps pour que ça repousse aussi. C'est pour ça que quand on est sur une île comme ça, il faut pas bouffer toutes les ressources dès la première minute. Tu vois ce que je veux dire? Il faut temporiser la chose. Tu vois? Voilà. Hein? Alors? Saloperie. Ça a pas sonné toujours, hein? Je vois ce qu'il veut dire, normalement ça fait un petit gling, mais ça ne l'a pas fait encore. Fais péter la lashing. Yes. Ça. Crac.
Yes, terrible, terrible, terrible. Excellent, on est paré pour aller à la chasse là, je vous le dis moi. Alors, des plants de patates. Ah ouais? Trop bien. On fait quoi? Oh, excellent, ça donne des patates et tout. Il est quelle heure? 16h32. Ça va être l'heure du goûter. On va te faire cuire toi. Par contre, je voudrais bien que mon eau se purifie là. Ce serait sympa. Ouais, faites les malines. Hein? Regarde mon vieux, j'ai votre copine dans les mains là. Regardez comment vous allez finir là, hein? Alors, regardez, elle fait la maline elle. Je vais aller te chercher une petite soeur ou un petit frère, t'inquiète pas. Bouge pas. Tu vas voir. Regardez. Regardez comment elle fait la maline. Oh putain, elle s'est barrée. Oh la chance, elle s'est barrée. Elle le savait qu'elle était dans le sale drap, hein, de toute façon. Hein. Fallait qu'elle se barre. Ouais, ouais, ouais. Bon, je vais finir de péter mes troncs d'arbres là. Je vais faire 2-3 sticks et ça va être cool. Là! Impeccable! Oh putain, j'ai plus de place. Merde, j'ai plus de place. Je vais aller poser mes patates. Oh là là, regardez comment que c'est magnifique. Eh! Faites les malines, faites les malines. C'est ça. Alors, comment je me suis mis bien là? Oh là là. Ouais. Ah bah direct. Bon c'est un peu le bordel sur mon camp mais tranquille. Eh par contre ça m'inquiète parce que l'eau elle se purifie jamais tu vois. Sérieux? Ouais ouais ça fait 2 jours qu'elle est sur le feu là. Et autant c'est autre chose. Hein? Water steel. Ah ça c'est un récupérateur d'eau. Ah ouais? Vas-y je vais en faire un. Mais je pense que je vais me faire plutôt un water collector moi. Moi j'ai fait un water steel. Comme ça si ça vient à pleuvoir j'aurai de l'eau potable. Ma mouette ne cuit pas. Ce délire. Ma mouette mon vieux elle, je sais pas ce qu'il y a eu un bug. C'est vrai? Ouais elle s'est mis debout sur ouais c'est trop chelou. Je sais pas elle s'est mis debout et tout sur mon barbecue elle, on a l'impression qu'elle veut s'envoler. Elle a complètement bugué la machine. Je me ferais bien un petit méchoui tu vois. Ouais, toi, ouais, tu ouais, veux ton méchoui depuis tout à l'heure hein. Ouais 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 il y a un sanglier là. Il est juste là. Oh putain j'y ai collé une flèche mon vieux. Je vais l'avoir. Un saut. Ah voilà un saut putain. Deux flèches que j'y ai collé. Il a deux flèches plantées dans l'arrière-train mon vieux. Ouais je pense. Et il pas court que encore mourir, hein. Oh il a trois flèches ouais. Putain. Il a. Vas-y je vais reprendre mes flèches. Ça, j'en ai repris une. Deux. Putain je peux y reprendre les flèches que j'y ai plantées quoi. C'est un truc de malade. Ah moi je sais pas ce que j'ai foutu là. Mais je suis parti en pleine nuit là. En pleine nuit. En pleine mer, en pleine nuit. Direct. Ouais. Là j'arrive sur une île, tu verrais ça. Elle est énorme. C'est vrai? Ouais ouais, elle est plus grande que la mienne. Eh oui, j'ai l'impression. Tienne, elle est toute petite. J'ai l'impression, c'est peut-être juste une impression. Par contre les vagues mon vieux c'est... Ouh là là, ce délire. Oh la galère. Comment que c'est beau les levers de soleil et tout là. C'est trop bien fait. Avec les mouettes et tout qui passent là. Tu croirais que c'est photoréaliste. Ah oh, je suis arrivé Zor là. Faut que je me dise que mon île c'est celle-là là-bas. Ou celle-là, je sais plus. Non, je crois que c'est celle-là. Ouais, en face de l'échelle. On va faire le tour au calme. Et puis, on va voir. Tranquillement. J'ai trouvé une bâche. Déjà. C'est chaud, là, sur les... Un saut, j'ai trouvé. Alors. Encore une bâche. Putain, mon vieux, comment que je me mets bien, là. Attends, je regarde si des fois, il n'y a pas des... des épaves à fouiller. Je vais ramasser 2-3 fibres. Oh, il y a des petites coconuts là-haut. Tranquille. Ouais, oh, t'inquiète, je vais te rattraper, Isor, dans ton truc là, tu vas voir. Vas-y. Putain, comment que je vais être lourd pour revenir sur mon île, mon vieux. Je vais avoir les poches pleines. Un petit bateau à fouiller. Ouh, des petits coffres. Oh, tu sais pas ce que j'ai trouvé? Bah non, tu me l'as pas dit. Une torche, mon vieux. Et un flingue. Et un flingue, putain, non, et un flingue. Ah, et un requin. Putain. Y'a un requin! Oh! Putain, ce délire! Quoi? Je me fais bouffer par un requin, Isor! Ah merde! Non, mais vas-y, mais casse-toi! Attends, y'a moyen que j'ouvre ça là? Y'a quoi là-dedans? Un carburateur! Trop fort! Vas-y, je me casse, je me casse, je me casse! Oh, y'a une épave là-bas aussi! Putain, il est où le requin là? Oh, il est là-bas le salaud! Ouais, j'ai trouvé un flingue, mon vieux. C'est, tu sais, un truc qui lance des lance-fusées, là. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Putain, par contre, le requin, il m'a attaqué vite fait un peu. Hein. Ouais. Oh, il y a une mouette, là. Saloperie. Je vais essayer d'aller là. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai trouvé un carburateur et tout. Hein. Ouais, oh, putain, mais ils font chier, les requins, ils sont partout.
Oh, c'est quoi ça? Oh, encore un coffre. Vide. Très bien. Putain, mon vieux. Il y a des requins partout. C'est un truc de malade. Hein? Ouais, ouais. Putain, puis les coffres, ils sont vides. Putain, je me fais attaquer! Dégage! Oh, je me fais attaquer là, mais il n'y a plus de coffre. Wouh! Vas-y, je remonte. Là-bas, j'y étais. Je vais ramasser 2-3 cailloux là, à ramener à la base. Là, je me suis mis bien là, c'est une bonne excursion, tu vois. Ouais, tant mieux, nickel. Moi, j'ai fait le tour de mon île là, je vais rentrer chez moi. Hein. Ouais. Tranquille. Ah, ce fut une bonne excursion. Oh, ça y est. Oh, tranquille. Trop énorme. Oh. Quoi, c'est rapide en plus. Oh, ça va trop vite. T'as un moteur? Non, 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 c'est avec la voile, mais c'est hyper rapide. Ah ouais, ouais, je me déplace trop rapidement. Ouais, par contre, je vois plus où aller. Allez, en face. Comment je galère, moi. C'est vrai, un truc de fou, là. Et par rapport à quoi? Par rapport avec mon bateau, là, pour le mettre dans l'eau, là. Faut que tu le tires. Avec kick droit, oublie pas. Oui. Tu le tires et... Il s'est mis dedans direct, là. Il a sauté direct. Bon, ben, let's go. C'est parti. Wow. On rentre à la maison.